principalement liées à la direction sportive des équipes de jeunes. Donc ça va très bien des U6 jusqu'au U18 chez les jeunes, donc à Golbe. Principalement donc sur l'aspect sportif. On a aussi, j'ai aussi d'autres missions sur l'aspect communication, administratif et bien évidemment aussi d'autres éléments sur tout ce qui est événementiel, les manifestations qui sont organisées par le club. Bon, c'est un gros travail forcément de formation, voilà, notamment. C'est un gros travail de formation. L'idée c'est de s'appuyer sur une équipe d'éducateurs. Donc cette année on a mis l'accent sur l'école de foot principalement avec 4 à 5 éducateurs sur la catégorie des U9 sur chaque séance. Et puis pareil sur les U11 avec 4 ou 5 éducateurs également. Ce qui nous intéresse, nous, forcément, c'est de pouvoir justement leur donner les bonnes bases dès le plus jeune âge, d'où l'intérêt de pouvoir renforcer l'encadrement sur ces catégories d'âge-là. Bon, vous êtes dans une optique de développement du club, forcément. Hein. On sait qu'à Golbe, il y a énormément de licenciés, si tu peux nous rappeler le nombre. Voilà, donc là, cette année, pour l'instant, on est à 350 licenciés. On a enlevé une équipe U18 par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait une soixantaine de joueurs. Donc là, on est repassé à 40 joueurs, mais on a encore des licenciés qui nous rejoignent au fur et à mesure de l'année. Donc on va encore, comme l'année dernière, on va terminer, je pense, aux alentours de 390 ou 400 licenciés. Bon, les résultats alors, parce que la saison... Les résultats, donc là aujourd'hui, on est sur un stage de perfectionnement donc avec les U15. Alors les résultats des équipes U15 pour l'instant sont bons, puisque l'équipe 1 est assurée de repartir au niveau excellence. Donc c'est le niveau le plus haut dans le district. Et ils sont encore qualifiés pour jouer les 16e de Coupe de Lorraine qui auront lieu dans 15 jours. Donc l'objectif, c'est forcément de repartir en excellence. Donc ça, c'est la première étape. De pouvoir jouer la montée, les premières places pour aller au niveau ligue l'année prochaine et de faire le parcours le plus long possible en Coupe de Lorraine pour pouvoir justement rencontrer des équipes d'un bon niveau. Bon, et les U15, les U18, comment ça se passe? Les U18, eux, pareil, alors là, ils vont jouer, je dirais, il y a un tournant pour la saison à venir sur ce week-end, puisqu'ils vont jouer leur place en excellence sur les matchs qui vont arriver ce week-end. Ça va déterminer le reste de la saison. Après, eux, ils ont été rebasculés en Coupe des Vosges. Donc là aussi, l'objectif, ça va être de pouvoir aller le plus loin possible en Coupe des Vosges et d'essayer d'aller accrocher une place en finale pour jouer le titre. Bon, il y a un beau potentiel. Est-ce qu'il y a un réservoir de jeunes appelés à jouer au plus haut niveau plus tard? Ça, ce sera plutôt sur du long terme. On va essayer pour l'instant, je dirais, de faire retrouver le niveau ligue à nos équipes de jeunes. Et le fait de pouvoir les faire jouer à ce niveau-là, ça va permettre justement une meilleure adaptation et une meilleure intégration aux équipes seniors. Parce qu'en jeunes, ils jouent toujours contre des gamins ou des jeunes de leur âge, ou avec un ou voire deux ans maximum de différence. Quand on arrive en senior, on peut retrouver des joueurs qui ont 5 ou 10 ans de plus. Et là, à partir de là, ça devient plus compliqué. Mais c'est pour ça que dès le départ, dès les jeunes, les catégories les plus jeunes, il faut qu'on arrive à leur donner les bonnes bases pour faciliter leur intégration en senior. Est-ce qu'il y a des liens avec le SAS Football ou d'autres clubs? Oui, on a mis en place un partenariat avec le SAS Football au mois de juin donc de l'année dernière. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faciliter les passerelles qui existent entre les deux clubs. Donc dans la mesure où sinon, par exemple, on peut avoir des joueurs qui pourraient jouer à un niveau largement supérieur, à ce moment-là, on peut les rediriger vers le SAS. On a aussi des échanges sur l'école de foot, où on va mettre en place des séances en commun, où on va mettre en place aussi des matchs amicaux pour se retrouver plus facilement. Et puis, plus concrètement, sur les achats qu'on peut réaliser au niveau du club, notamment sur les équipements en textile, on s'est rapproché du SAS pour pouvoir s'équiper chez Lulu Sport et de faire des achats groupés, ce qui permet des économies à l'échelle du club. Bon, depuis mercredi, là, stage, on va dire, vacances, vous avez des conditions idéales. Ouais, complètement. Bon, là, c'est un stage de perfectionnement donc sur la catégorie U15. On a fait donc 3 journées complètes. Une demi-journée, on avait un peu coupé sur un tournoi justement de console, sur FIFA 18 notamment, pour ceux qui connaissent. L'objectif de ce stage, effectivement, c'est d'amener une réelle plus-value sur l'aspect football, puisque là, on va prendre le temps justement de travailler des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas le temps de revenir sur les séances d'entraînement et pendant la compétition. Et puis, au-delà de ça, grâce à un temps comme ça, c'est aussi de pouvoir justement créer de meilleures affinités. Forcément, on a des joueurs qui viennent de l'extérieur ou qui nous ont rejoints cette année. Et l'objectif sur un stage comme ça, c'est de leur faciliter l'intégration au club et de créer des affinités avec les copains qui sont déjà là dans la catégorie d'âge. Bon, pour conclure, tu dois suivre un petit peu la SNL via ton frère, là, saison
compliqué, on va dire, en Ligue 2, en ce début de championnat, avec une élimination un petit peu frustrante en Coupe de la Ligue 3-2 à Angers hier. Quels sont les échos? Quel est un petit peu ton ressenti sur cette équipe de la SNL version 2017-2018? Le ressenti, c'est qu'on a une équipe, je pense, qui est en mutation, puisqu'il y a eu beaucoup de départs sur les 18 derniers mois avec des joueurs importants. Donc forcément, ça, c'est un point positif parce que ça laisse la place aux jeunes. Mais le point négatif, c'est que ça demande du temps pour avoir des résultats. Et moi, me concernant, je pense que c'est une bonne chose pour eux de pouvoir justement faire jouer des jeunes et sortir des joueurs. Quitte à faire un ou deux ans de plus en Ligue 2, on verra bien ce que ça peut donner par la suite. Oui, il y a du talent dans cette équipe qui peut voir l'avenir sereinement, on a envie de dire. Après, je suis pas trop inquiet pour la SNL, ils arriveront à bondir aussi. Hein. Ils ont toutes les qualités et les compétences pour le faire. Donc il y a eu des départs importants la saison dernière. Maintenant, il faut reprendre le temps de retrouver justement les automatismes, de s'habituer aussi avec le coach qui a changé. Et puis et les résultats viendront d'eux-mêmes. Est-ce que tu les côtoies un petit peu de temps en temps ou pas? Très rarement. Très très rarement. Et on sait que vous avez des attaches avec les Vosges. Vous êtes vraiment originaire des Vosges, toi et ton frère? Mon frère, on est plus originaire de Dombasle, à côté de Nancy. Donc forcément, on a grandi dans le giron de la SNL. Et, vous connaissez bien Romain Schuller, alors. Voilà, on est originaire de la même ville, même du même quartier. Et forcément, on a des affinités avec lui. Mais après, le cadre qu'on a dans les Vosges est assez exceptionnel, notamment à Golbey, pour pouvoir travailler correctement. Avec, les efforts que peut faire la mairie de Golbey pour nous mettre dans les meilleures conditions, c'est à nous maintenant de travailler pour obtenir des résultats. Bon, en espérant voir des Golbéens à la SNL dans quelques années. Croisons les doigts et travaillons, on va tout faire pour. On va essayer